musique, ça fait partie de moi. Je réduis pas ma vie d'homme à ma vie de footballeur. One love, one heart, let's get together. Je peux quoi, musique? Oui, il chante très bien. Pour moi, il fait de la très bonne musique et c'est aussi un super joueur. Merci. Jeudi 5 mai, les Young Boys ont rendez-vous avec leurs supporters à la foire bernoise. Dans la foule, un homme sort du lot. Guillaume Oaro est la star de l'équipe de la capitale. C'est un super joueur. Il marque des buts et c'est aussi un mec bien. Guillaume Oaro est une chance pour Young Boys. Il est motivé et c'est un très bon footballeur. Le français est effectivement l'un des rouages essentiels de la bonne forme des Young Boys. Il a inscrit 13 buts en 13 matchs depuis son retour de blessure. De quoi se fixer des objectifs élevés. C'est vrai que Bâle a construit sur ces dernières années une ossature vraiment, vraiment solide. Voilà, à un moment, la roue tourne, donc il faut être présent à ce moment-là. Je veux dire, nous, on se prépare en tout cas. L'année prochaine, ça sera encore une fois l'objectif d'essayer de faire encore mieux que cette saison. À nous d'être les plus prêts et dispo pour essayer de, ouais, pourquoi pas changer un peu le Meister de cette ligue. Pour faire tomber l'ogre balois, Young Boys compte sur les performances du français, sur et en dehors du terrain. C'est un leader, il apporte de la qualité et de l'expérience à l'équipe. 5 fois international français, 10 ans au plus haut niveau. Guillaume Oaro a du vécu, il est aussi à Berne pour transmettre. Aujourd'hui j'ai 32 ans, donc on fait partie de l'une des plus jeunes équipes du championnat. Donc faire le con, je sais le faire et qu'il faut être sérieux aussi. Évidemment qu'on a un rôle un peu de grand frère et essayer de partager cette expérience-là. Partager son expérience et amener sa joie de vivre. J'ai la situation en main. Connu pour sa bonne humeur et ses blagues faciles, le Réunionnais s'est rapidement intégré dans le vestiaire. C'est du sérieux. Hein. Ouais, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur comparé à nous, non? Au niveau des jeux de mots, très bien. Enfin, à son niveau à lui. Mais chambrage, on est un peu meilleur encore. Mais il s'améliore. Et au niveau musique? C'est pareil, on est meilleur que lui, mais simplement. Simplement, on ne lui dit pas. Je vais essayer celle-là. Mais la voix, elle est pas rodée. La musique, ça fait partie de moi, quoi. C'est vivre pour moi au quotidien, c'est ouais, la musique, je chante tout le temps, donc peu importe que ça soit faux ou pas, j'ai grandi là-dedans et c'est vrai que chez nous, ça prend une part importante dans la vie d'un réunionnais, donc elle a toujours été là. Et ouais, je peux te dire que ça a été aussi un échappatoire de temps en temps pour moi par rapport au foot. S'évader, échanger aussi et rencontrer des personnes qui s'intéressent à l'homme. Avant de connaître le footballeur, un jour, dans un train pour Genève, Guillaume Oaro et son cousin sont tombés sur un groupe de militaires. Ils avaient des fusils, il y a un autre avec une guitare commençait à jouer. Avec Ludo, on s'est regardé, on s'est dit, c'est bien ce qu'il fait là quand même. Et il nous a payé un verre à tous. Et donc, vu qu'il nous a payé un verre, je suis allé à sa table pour lui dire merci. Et là, on a commencé à parler musique sans savoir qui c'était. Et depuis, on est devenus amis, donc il est de Genève, il vient souvent me voir ici. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent leur boire et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. J'ai fait pas mal de belles rencontres et aujourd'hui j'ai des contacts qui, j'espère, après le foot vont m'aider à peut-être mieux comprendre le milieu musical. Mais après, voilà, il y a des choses à faire, on verra bien en temps et en heure.